la base aérienne de Dijon, les pilotes de la fameuse escadrille des Cigognes sont soumis à un entraînement intensif. Michel Tanguy et Ernest Laverdure sont devenus des chasseurs d'élite. Un pays étranger envisage l'achat d'avions supersoniques français. Eric Gunther, le meilleur pilote d'essai de ce pays, est envoyé à Dijon pour faire subir à nos appareils les tests les plus sévères. Mais des aventuriers sans scrupules ont reçu mission de faire échouer ces essais. Ils réussissent à saboter l'avion d'Eric qui va s'abattre dans les forêts du Jura. On est sans nouvelles du pilote. A-t-il réussi à s'en sortir vivant ? Oui, ne quittez pas. Commandant, je vous passe au secteur. Allô, parlez. Allô ? Ici les opérations de la 2e escadre. Nous venons de perdre un mirage dans le triangle Langres, Dijon, Besançon. Lancé à vie de recherche. Nous envoyons aux sections de sauvetage. Merci, terminé. Rentrez, mon lieutenant. La jauge d'essence est presque à zéro. C'est incroyable, cet avion s'est pourtant crashé quelque part. On va mettre un bout de temps à la récupérer. Tu te rappelles, Chaunois, quand il s'est crashé dans le Jura? On a mis 3 jours et encore, on a eu de la chance. Ce qui n'arrange rien, c'est qu'il s'agit justement d'un pilote d'essai étranger. Poussez encore jusqu'aux collines, là-bas. Là-bas, cette fumée! Le pilote a dû s'éjecter. Il ne doit pas être loin. Je donne l'alerte. Continuez. Ok, mais je vous préviens, on rentrera à pied. Radou m'approche de Yankee Charlie.
fait un dernier passage et on rentre. Oh, on trouvera rien. Essayez de se poser. Pas facile avec ces marécages. Vous ne pensez pas vous trouver entier. Des dégâts ? Le genou, je crois. Vous en faites pas! Dans 20 minutes, vous serez dans un joli lit tout blanc avec de jolis avions. C'est pas moi qui l'ai lâché, c'est votre avion! Je sais, mon vieux. Tout ça ne me paraît pas normal du tout. L'enquête nous éclairera. Désolé, mon vieux, mais mon rapport ne sera pas bon. Ne précipitez rien. Savez-vous qu'à Paris, on pense que ce drame est suffisant pour que la commission d'achat ne se dérange même pas? Votre avis sur l'accident, mon colonel? J'en ai pas encore. L'enquête est en cours. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il est extrêmement rare que trois circuits hydrauliques tombent en panne d'un seul coup. Alors, selon vous, le sabotage est évident? Je n'ai pas dit ça. Attendons les résultats de l'enquête. Cet accident est un très bon point pour vous, cher monsieur. Ce n'est rien. Faire tomber un avion, c'est simple. Ce qui est plus délicat, c'est la façon de le faire tomber. Écoutez ça. Panne hydraulique secours. Le circuit vient de lâcher. Les gouvernes durcissent. Mais comment elles sont bloquées? Votre foutu appareil Tanguy, c'est de la camelote, de la ferraille, vous entendez? Dans la... Fantastique! Il ne vous reste plus qu'à faire écouter cette bande aux acheteurs étrangers et le tour sera joué. Pas seulement. Nous allons faire mieux. Pas sa table? Non, pas tout de suite. T'attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Sacré Casanova. Non, mon vieux, c'est pas ce que tu crois, non. Cette fois-ci, c'est une journaliste. Je vais causer, alors. Dommage que ce soit pas ta journaliste. Regarde un peu ce morceau. Et donc, juste le jour où j'ai un rendez-vous, alors c'est vraiment pas de chance. Il doit avoir un Jules qui va venir la retrouver. Lieutenant Laverdure? Oui. Vous êtes la... Bonjour, je suis si heureuse de vous connaître. Alors vous êtes la... L'envoyée spéciale de l'éclair, oui. Ah, vraiment, je m'attendais pas à... Vous prenez quelque chose? C'est vous qui êtes mon invité. Ah non, 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 jamais, jamais, ça. Mais voyons, lieutenant, vous êtes l'invité de mon journal. Franchement, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais lui dire à votre journal. Vous prenez un whisky? Léger, léger. Alors, des babies. Savez-vous que mon journal s'intéresse à votre carrière depuis l'école de l'air? Hein? À moi? Mais oui, voici longtemps que nous voulions faire un reportage sur la vie d'un aviateur. Montrer à nos lecteurs comment vient la vocation, quels obstacles il faut surmonter...
Et comme vous êtes l'un de nos plus brillants pilotes de chasse, il est normal que l'on m'ait envoyé à vous. Alors là, vous m'épatez parce que quand je faisais l'école de l'air, vous jouiez à la marelle. Oui, sûrement. Mais la direction du journal m'a fait passer une nuit sur votre dossier. Oh, vous avez perdu une nuit à cause de moi? Eh oui, pour préparer l'enquête. Vous vous rendez compte de tout ce travail? Vous allez m'aider, lieutenant Laverdure, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Ce sera mon premier vrai grand reportage. Vous voulez bien? Je veux bien, mais... J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, et puis... Vous savez, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Allons, lieutenant, ne soyez pas si modeste. Aidez-moi, je vous en prie. Ça sera difficile. Peut-être... qu'en faisant mieux connaissance. Et alors? Alors à ce moment-là, j'appuie sur un bouton et c'est la panne. Alors j'aime autant vous dire que vous voyez arriver le plancher à une drôle de vitesse. Hein. Mais c'est horrible! On doit voir la mort qui vous a... Vous savez, du moment qu'on est en l'air... Hein, à bord d'un mirage. Mirage ou pas, dès l'instant qu'on est au-dessus d'une chaise, il y a une chance sur deux pour redescendre sans le vouloir. C'est la vie. Enfin, si on peut dire. Mon Dieu, quel courage. Alors, vous disiez que ça ne fonctionnait pas du tout. Rien fonctionnait. Pardon? Rien fonctionnait. L'autre en atterrissage qui ne voulait pas sortir. Mais non, vous allez vous écraser. Évidemment. Ce que j'ai oublié de vous dire, la visibilité était nulle. Alors, j'appelle les opérations, on me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est la verdure, ça va pas, le train d'atterrissage, il reste bloqué. J'ai bien envie d'aller à l'hôpital voir ce pauvre Eric. Il doit s'ennuyer à mourir. Jacqueline, prenez cette lettre, s'il vous plaît. Ça ne t'embête pas, Michel? On veut pas du tout. Je t'accompagnerai, si tu veux. Bon, va. C'est pas vrai, mais il se fout des bons. Mon lien, viens avec moi. Moi aussi, Tanguy. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a des fuites ici. Quelqu'un a donné l'enregistrement à ce canard. C'est inadmissible. C'est peut-être le pilote étranger qui a parlé. Non, non, non. Je l'ai vu à l'hôpital. Il ne dira rien avant la fin de l'enquête. C'est ici, sur la base, qu'il y a des fuites. Lisez l'article. C'est la reproduction textuelle de la bande magnétique enregistrée par notre officier de sécurité. L'officier, c'était moi. Ah oui. Et ça, c'est vous aussi? La semaine prochaine, les confidences d'un pilote de la base de Dijon qui révèle en détail les défauts cachés de l'avion. Mais c'est impossible, mon colonel. Personne ici oserait faire une chose pareille. Eh oui, je sais. Les pilotes sont des saints, des moines en extase. De manière un chevalier sans peur. Il faut envoyer un démenti. Le journal publiera 5 lignes minuscules en 4e page, non? Avant tout, il faut savoir sur quoi repose cette campagne, si nous voulons la contrer. De deux choses l'une, mon colonel. Ou quelqu'un ici a trop parlé, il faut purger la base. Ou alors c'est un coup monté de toutes pièces pour essayer de dénigrer nos avions. Dans ce cas, l'enquête de la sécurité confondra les détracteurs. D'ailleurs, s'il y a eu sabotage, cet article devrait aider à le prouver. Oui. Oui, mais d'ici là, nos acheteurs étrangers risquent de se laisser impressionner. Et quand la vérité éclatera, il sera trop tard. Nous aurons perdu le marché. Et vous avez raison, Mounier. Il faut agir rapidement. Mais comment? Mon colonel, pour essayer de prouver à la commission d'achat qu'accident ou pas, notre avion reste un des meilleurs et des plus sûrs intercepteurs du monde. Une nouvelle démonstration? Oui, faite par un pilote de chez nous. On pourrait par exemple battre tous les records de rapidité pour une interception à haute altitude.
Non mais c'est pas idiot ça, Tanguy. Comme ça, on prouverait à nos Zoulous que 4 minutes après avoir été alerté au sol, notre avion est capable de descendre un jet ennemi à 20 000 mètres d'altitude. Il faut faire ça avant que l'article annoncé ne paraisse dans cet hebdomadaire. Comment? C'est un peu court comme ça. Un peu. Mounier. Oui. Trouvez-moi un volontaire. Bien. Moi, mon colonel. Vous? Vous pouvez pas me faire ça. C'est moi qui ai eu l'idée. Bon Dieu, si je mettais la main sur ce journaliste, quel fumier! Les révélations inédites d'un pilote! Mais d'abord, c'est faux! Il n'y a pas un seul type d'ici assez bête pour parler à un journaliste, enfin! Oh, ça, tu sais, hein, on sait jamais, hein. Imagine qu'un gars ait parlé. On n'en parle qu'il ait dépiné le zinc, ça, on peut pas dépiner le zinc. Enfin, quelquefois, on dit des choses comme ça, et puis les gens les gonflent et les déforment. Tu sais, moi, je dis ça comme ça, hein, ça. Je cherche à comprendre, moi, tu comprends? Je cherche à trouver. Qu'est-ce qu'une journaliste a bien pu inventer? Quoi, en se basant sur quoi? Sur des conversations comme ça, à bâton rompu? Oui. Pourquoi as-tu dit une journaliste? Hein? Moi, j'ai dit une journaliste. Ouais. Tu ferais mieux de me dire tout de suite ce que tu lui as dit. Alors ça, je te jure que je lui ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Vraiment, je te jure. Je pense bien que je n'allais pas lui raconter. Non, mais t'es fou. Elle était bien? Ah, oh. Pas mal. Très bien, même. Ouais. Elle avait des yeux verts comme les... Tu vois, comme les tigres du Bengale. Ah. Et puis... une poitrine. Ouais. Tu lui as dit quoi? Rien. On a causé comme ça. On a même dîné ensemble. Alors, tu vois. Ah si, si, je suis bête. Je lui ai raconté, tu sais, l'histoire que j'ai eue avec ma part. Ah oui, ton train bloqué. Oui, c'est ça. Tu peux pas pouvoir en faire un roman. Hein. Non, bien sûr, non, mais tu comprends. Je crois que j'ai dû un peu. J'ai dû grossir un peu le truc, j'ai dû un peu forcer sur la note, alors. Ouais. Il y a maintenant, il va falloir la payer. Hein. Hey Michel, où tu vas? Un record. Quelque chose comme ça. Vous savez que j'ai mes propres informateurs auprès de la commission d'achat étrangère. Ils ont été formels. En somme, les Français essaieraient de contrer notre campagne de presse. C'est ça. Mm-hmm. Par une démonstration à grand spectacle. C'est intéressant. Et qui serait le camelot? Un de leurs meilleurs pilotes, le lieutenant Tanguy. Tanguy. Vous le connaissez? Oui, hein. Mademoiselle Martinez. Faites-la entrer, oui. C'est justement notre correspondant de Dijon. Bonsoir. Bonsoir. Je présente M. Franck, un de nos meilleurs clients, Mademoiselle Martinez. Félicitations, vous savez choisir vos collaboratrices. Eh bien, dans notre métier, c'est indispensable. Alors, Gisèle, il y a du nouveau? Oui, au journal. Je viens de recevoir un coup de téléphone d'un pilote de la base de Dijon. Ah, hein? Il veut me voir d'urgence. Un certain Tanguy. Tanguy. Le lieutenant Tanguy. Oui. Quand on parle du loup. Et c'était à quel sujet? C'est à propos de l'interview que j'ai extorquée à ce Laverdure. Ah. Tiens, tiens, tiens. Je lui donne ce rendez-vous? Au plus vite possible. Mais il va me demander de ne pas publier mon article. Sûrement, sûrement. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous lui faites plaisir. Vous voulez dire qu'il faut que je déchire mon article? On ne peut rien vous cacher. Mais je ne comprends plus. Eh bien, nous sommes là tous les deux pour vous l'expliquer, chère petite idiote. J'aimerais beaucoup vous faire plaisir. Vous m'êtes très sympathique. Mais savez-vous que je comptais beaucoup sur ce papier pour me faire connaître? C'est un gros sacrifice que vous me demandez là. Mais peut-être pourriez-vous faire un petit vous aussi. C'est-à-dire? Vous tenez vraiment à faire cette démonstration aérienne? Je suis sûre que mes patrons seraient tout disposés à renoncer aux dangereuses confidences de votre petite camarade si, de votre côté, vous renonciez jouer les champions.
je vois pas ce que ça peut faire à vos patrons, puisque de toute manière, ils ont déjà alerté l'opinion publique. Oh, l'opinion publique! La seule chose qui les intéresse, c'est que cette commission d'achat que vous voulez éblouir n'achète pas l'avion. Mais... qu'est-ce que ça peut vous faire à vous qu'un constructeur vende quelques avions de plus ou de moins? Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? Le sauvetage de votre meilleur ami ne vaut pas une petite blessure d'amour propre? La verdure vous devra sa carrière. Mais le colonel, mes camarades me connaissent bien. Mais justement, ils mettront votre chèque sur le compte de l'avion, surtout si c'est vous qui l'affirmez. Et vous sortirez intact de cette aventure. Vous êtes redoutable. Alors c'est donnant-donnant. Vous savez qu'en français on appelle ça du chantage? Oh, le vilain mot. Disons plutôt que je vous fais plaisir et vous me faites plaisir. Parce que nous allons devenir des très très bons amis. Vous voulez bien? Alors? Alors c'est non. Navré, mademoiselle. Mercredi à cette heure-ci, j'aurais effectué ma petite démonstration. Et je vous jure bien que je l'aurais réussi. Et votre Laverdure n'aura qu'à quitter l'armée. Car le lendemain de votre tentative, mon article sortira. Et sur deux pages. Bonsoir. Ça vous fera de la lecture pour votre premier jour de prison. De prison? Vous êtes fou. Non, prudent. Moi aussi, je sais me servir de magnétophone. Les tentatives de chantage d'une pseudo-journaliste valent bien les confidences d'un pilote de chasse, non? Donnant, donnant, beauté. Salaud! Ciao!